Écoutez, voici Alex. Cela peut être effrayant de commencer dans une nouvelle école, alors faisons-lui sentir qu'il est le bienvenu, d'accord? Tu veux bien t'asseoir, Alex? Salut Alex, je suis Caillou. Pourquoi es-tu venu ici? Quoi? Être seul à récréation n'est pas drôle, Nigo. Non. Viens jouer avec moi et mes amis. Non, je ne veux pas jouer avec toi. Oh, désolée, peut-être on peut juste... Non, juste, laisse-moi tranquille. Tu es bien silencieux aujourd'hui, Caillou. Ça va à l'école? C'était pas mal. Pas faim, Caillou? Je pensais que tu adorais les spaghettis. Pas ce qu'il dit! Caillou, papa est en train de te parler. Bonjour, Terre à Caillou. Êtes-vous là? Je ne veux pas de spaghettis, papa. Tu as vraiment effrayé Mousseline, Caillou. Je sais. Je suis désolée, papa. J'étais vraiment furieux. Ben, dis-moi ce qui t'a rendu si en colère. C'est juste... Il y a un nouveau à l'école et je voulais être son amie, mais il m'a poussée et m'a fait mal et je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée, Caillou. Je comprends que cela te met en colère. Je ne voulais pas être en colère contre Mousseline. J'ai juste peur. C'est bon. Mousseline comprendra si tu t'excuses. C'est le plus important. Caillou? Désolée de t'avoir fait peur, Mousseline. Ce n'est pas agréable d'avoir peur. Bonne idée, Mousseline. Descendons finir notre dîner. Et si Alex est encore méchant, papa? Je vais aller à l'école et nous parlerons à Madame Martin ensemble, d'accord? N'oublie pas, si quelqu'un est méchant avec toi, parle-en à ta maîtresse. D'accord. Bonjour, Caillou. Bonjour, Madame Martin. Je dois vous dire que... Hé, hey, Caillou? Salut, Alex. Je voulais juste dire que je suis vraiment désolée de t'avoir poussé hier. C'est effrayant d'être nouveau dans une école. Et je ne voulais pas être méchant. Mais j'aimerais vraiment être ton ami, si tu veux bien. C'est pas grave. Parfois, quand j'ai peur, il m'arrive d'être méchant aussi. Vraiment? Ouais. Mais mon papa dit que l'important est de dire désolé. Allez, Caillou. Tu ne veux pas qu'Alex soit en retard le deuxième jour? J'arrive. Allez, tu peux rencontrer Léo et Clémentine avant le cours. Venez ici tous, prenez votre limonade ici.
Une limonade, s'il vous plaît. Oups, ça serait $1, s'il vous plaît, monsieur. Comment ça va, Caillou? Ça va bien, maman. Regarde ce que j'ai déjà gagné. C'est merveilleux, Caillou. Il y a du monde. T'as besoin d'aide? Non, merci, maman. J'ai tout sous mon contrôle. D'accord. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. On est juste là, tout près. Un, deux, trois... 4, 5 en tout. Oh, wow, un chiot. Oh, c'est un petit voyou. Pepper, arrête. Viens ici. Je suis désolée, jeune homme. J'espère qu'il ne t'a pas embêté. Oh, non, j'aime les chiens. S'il vous plaît, on peut jouer encore un peu? Qu'en penses-tu, Pepper? Et quel est ton nom, jeune homme? Je suis Caillou. Eh bien, Caillou, vas-y et va jouer. Et je vais prendre un verre de cette délicieuse limonade. Quel est son nom? Pepper! Parce qu'il est noir, tu vois? Waf! Waf! On dirait que quelqu'un est un peu excité! Ouais, il est vraiment sympa! Tu veux le caresser, Moussi? Ici, Pepper! C'était un gros bisou, hein, Mousseline? Caillou, n'oublie pas ça. Ils ont passé un merveilleux moment ensemble, n'est-ce pas, Caillou? Ouais, merci. Eh bien, merci de t'en être occupé, Caillou. Je n'ai pas eu une journée aussi reposante depuis longtemps. Et je pense que Pepper s'est amusé aussi. Pepper a besoin de se rafraîchir. Ah oui! Pepper, allons jouer dans la fontaine! Tu veux construire un château de sable? Si! Tu sais, tout bon château devrait avoir une douve. Une douve est un lac qui entoure un château, le protégeant des envahisseurs. Oh! Il faut creuser bien profond, jusqu'au sable humide. Comme ça, la douve gardera sa forme. C'est un très beau château, Caillou. Tiens, attends un peu. Pourquoi? Ça! Super! Là, vous avez maintenant un château qui se garde des visiteurs indésirables.
Caillou, on fait une partie de frisbee? Ouais! Vas-y, Caillou, mais ne va pas trop loin. Je t'ai eu. Il faut que je me repose. Oh! Moi, j'ai une meilleure idée, Léo. Ça, Caillou? On peut, maman? Va t'amuser, Caillou. Mais attention, ne va pas trop loin. Accroche-toi. Il arrive. Vas-y! Yeah! Attention à ne pas boire l'eau de mer, Caillou. Elle n'a pas très bon goût. Mais c'est fruits glacés. Fruits glacés, j'adore! Caillou, galopin! Pas si vite, Caillou! Ouh là là! On commence par quoi, Clem? Skibble, c'est mon préféré. Ouais, on peut, papa? Bien sûr, Caillou. Allons-y. Eh bien, Caillou, c'est ton dernier lancer. Respire. Très bien, Caillou! Bien joué, Caillou! Excellent! J'ai hâte de dépenser mes jetons. Ne les dépense pas tous d'un coup. Le premier aux auto-tamponneuses, Caillou. Je vais t'avoir pour ça, Caillou. Waouh, les enfants, c'était super! Vous devez avoir faim! Eh bien, que voulez-vous? Voyons ce qu'on peut avoir avec ça! Ok, sur elle! C'est un lait frappé froid, hein, Caillou? Oh, mini-golf! Allons-y! Oh.
toi, Clem. Ne frappe pas trop fort, pas trop mou non plus. T'y es presque, Clem. Un autre coup devrait le faire. Chose? Non, ça ira. Finissons le cours. C'est ça, Caillou. Tu y arriveras. Waouh, Caillou, un trou en un. Waouh, Caillou, c'était une bonne journée? Superbe! Hé, Caillou, regarde ce qui vient d'arriver. Un paquet! Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? C'est pour nous tous, Caillou. Viens dans la cuisine, je te montre. D'accord. Maman, regarde, on a reçu un paquet. Quelle surprise! Qu'est-ce que ça peut être? Tu veux m'aider à l'ouvrir? Oui, je veux bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine à faire des pâtes. Des pâtes? Comme spaghettis? Oui, on peut faire toutes sortes de formes de pâtes. Eh bien, on peut prétendre avoir notre propre restaurant italien. Ouah! On peut inviter grand-mère et grand-père? Bonne idée, Caillou. On peut faire une soirée pâtes et pizza. Papy aime la pizza. D'abord les pâtes. Il faut des œufs, de la farine à pâte et une pincée de sel. Là. Maintenant, Caillou, verse lentement la farine dans ce grand bol. Caillou, c'est pourquoi j'ai dit lentement. Bien, maintenant les œufs. Tapote-les sur le bord du bol, comme ça, et sépare la coque. Très bien, Caillou. Moi faire, moi faire. Mousseline, tu as tout gâché. T'inquiète pas, Caillou. Peut-être que Mousseline sera plus à droite avec la pâte à pizza. Maintenant, Caillou, mélange œufs et farine. Ça peut être un peu souillon, mais ça ira. Maintenant, on doit pétrir la pâte. Ça veut dire la rouler, l'étirer et la presser jusqu'à ce qu'elle soit lisse. C'est du boulot! J'ai mal au bras! Prenons une petite pause. On peut faire un menu si tu veux. Mousseline a dessiné des spaghettis. C'est bien, Mousseline. Montre-le à papa. Papa, regarde le menu qu'on a préparé. Waouh, c'est incroyable. On pourrait manger les images. Ok, Caillou,
Je tiens les pattes et tu peux tourner la poignée. Ouah ! Regarde ! Je fais des spaghettis ! Ça a l'air délicieux ! Maintenant, les pizzas. Voici les garnitures. Étends d'abord la sauce tomate sur la pizza. Puis, une bonne poignée de fromage. Regarde, il neige du fromage! Et maintenant, la meilleure partie. Dessine un visage. Regarde, grand-père, on a fait un menu! C'est superbe! Je pense que je voudrais pizza et spaghetti. Ils ont l'air si délicieux! Moi aussi! Regardez tous! Ma pizza a les cheveux bouclés et aussi une barbe frisée! Bien, adjoint Teddy, la ville va être en sécurité maintenant que nous avons attrapé le bandit Rexy. Shérif Caillou, venez vite! Salut Clémentine, qu'y a-t-il? Shérif Caillou, un bandit tente de venir voler la banque! Oh non! Qu'est-ce qu'on attend? À cheval! Plus vite, Gilbert! Yeah! Yee-haw! Oui, c'était drôle! Bon, je dois déguerpir avant que le shérif n'arrive. Pas si vite, cow-boy. Eh bien, dis donc, voyons voir. L'argent n'est pas à toi. Maintenant, si. C'est moi le shérif ici et je te dis que tu dois rendre l'argent. Tu ne rends pas l'argent, je t'envoie en prison. Bien, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Dégaine! Remercie l'adjoint Teddy, l'ours le plus fort de l'Ouest. Je t'aurai pour ça, shérif Caillou. Yeehaw! Shérif, oh shérif, vous devez tous avoir faim après avoir sauvé le monde. Alors je vous ai apporté des biscuits de cow-boy. Ouah! Merci, maman. Ça vous donnera plein d'énergie pour votre prochaine aventure. Ouais!
Et le shérif Caillou est toujours prêt à sauver le monde. Écoutez tous, c'est presque l'heure du week-end. Il va falloir choisir qui peut ramener à la maison l'animal de compagnie Gérald. Bon, qui veut l'emporter à la maison? Caillou, veux-tu prendre Gérald aujourd'hui? Je dois donc le nourrir et jouer avec lui. Puis demain, il pourra se balader dans sa boule. Allez debout, tête endormie. Le petit déjeuner. Allez, maman a dit de jouer dans ta boule aujourd'hui. J'arrive, maman. Attends ici, Gérald. Hé, Caillou. Hé, Léo, tu veux venir voir Gérald? J'allais juste l'emmener dehors, là. Bien sûr. Il a besoin de faire de l'exercice, alors je le mets dans sa boule. Qu'y a-t-il, Caillou? Où est Gérald? Je l'ai laissé ici et maintenant il est parti! Maman, j'ai laissé Gérald dans sa balle et il a disparu! Ne t'inquiète pas, Caillou, on le trouvera! Bon, Caillou, je reviens tout de suite. Sois sûr d'être bien beau et propre. D'accord, maman. Bonne chance dans ta mission, Capitaine Caillou. Bonjour. Quel est votre nom? Salut. Je suis Caillou. Oh. La légende raconte l'histoire d'un grand explorateur du nom de Caillou. Vraiment? Oh oui. Il est dit qu'il est le seul à retrouver le trésor perdu et à nous le rendre. Waouh. Voulez-vous nous aider, illustre Caillou? Absolument. Allons trouver ce trésor. Dedans.
Êtes-vous sûr de cela, Capitaine Caillou? Allez, tout ira bien si nous restons ensemble. Regardez, là-bas! Serrez-le! Venez, allons voir! Presque, maman. Bon, il est donc encore temps pour Capitaine Caillou de naviguer les mers. Mon oncle m'a donné ceci pour mon anniversaire. On peut faire toutes sortes de blagues avec ça. Lequel utiliser en premier? Je ne suis pas sûre. Tu décides, toi, Caillou. Très drôle, les garçons. Oh, salut Léo. Bonjour Caillou. Que faites-vous, les garçons? On t'a acheté des cacahuètes, papa. En voudrais-tu? Pour moi? C'est très gentil de ta part, Caillou. Merci. Oh, vous m'avez vraiment bien eu. Allez. Mousseline. Tu vois? Viens, Mousseline. J'ai une idée.
sont là. Bonjour, Mousseline. Caillou. Oh, salut, Léo. Salut. Grand-mère, tu veux du jus? Oh, eh bien oui, Caillou. Oui, j'ai un peu soif. Mousseline, tu voudrais m'aider avec les glaçons? Glaçons! Glaçons! Merci beaucoup, vous deux. Oh! Oh, mon Dieu! Est-ce que c'est une farce? Ouais! C'était une journée en famille et Caillou avait hâte d'explorer le jardin botanique. Ouah! Regarde toutes ces couleurs! Viens, Mousseline, allons voir le jardin! Eh bien, Mousseline, c'est un tournesol. Et c'est jaune, comme le soleil, tu vois? Tournesol jaune! Bien, et celle-là, ici, est blanche, tout comme la lune. Comment ça s'appelle, maman? Eh bien, celle-là... Celle-là, c'est une fleur de lune. Ouah! Donc, les tournesols sont... jaunes! Et les fleurs de lune sont... blanches! Celle-ci est une rose. C'est une rose! Une rose rouge! Les roses sont rouges. Et les violettes sont bleues. Les tournesols sont jaunes. Et... les boutons d'or aussi. Les fleurs de lune sont... blanches. Les feuilles d'arbres... vertes. N'est-ce pas vraiment les plus belles couleurs du monde? C'est quoi ça? C'est du pollen, Caillou. Ça peut faire éternuer. Viens, Mousseline, allons jouer dans le labyrinthe et essayons de trouver la fontaine. Oh non, je pense que je suis perdue. Je dois aller au milieu du labyrinthe. Il y a une fontaine là-bas. Ah ah! Eh bien, pas ici. Je pensais être perdue. Eh bien, tu as réussi à nous trouver. Comment as-tu fait? J'ai écouté très fort le son de la fontaine et j'ai suivi le son jusqu'au milieu du labyrinthe. Je suis fière de toi, Caillou. C'était une excellente décision. Tu vois, Caillou, parfois tu te sens perdue, mais tu n'es en fait que dans une aventure. Caillou adorait explorer le jardin botanique, mais c'était plus amusant quand il était avec sa famille et pas perdu dans le labyrinthe.